La région Guadeloupe présente son colloque Sport en Guadeloupe, une première édition qui se tenait les 10 et 11 mai sous le patronage de Guy Roux, qui s'intéresse à l'impact social du sport et particulièrement à la place de la femme. C'est le grand thème mondial à toute catégorie. C'était normal que le sport n'y échappe pas. Et donc nous avons eu des intervenants et des intervenantes de grande qualité, ce qui fait qu'on a eu un débat de 2h30 qui aurait pu continuer autant. Ça m'a bien sûr intéressé et impressionné. Intervenant, j'allais dire savant, et donc je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose, mais j'ai beaucoup acquis. Nous avons eu des ateliers très intéressants ce matin, surtout la place des femmes, hein, comme je l'expliquais un peu, comment je me suis donné beaucoup pour que les femmes puissent exister en matière de sport. Par exemple, la première équipe féminine dans le relais interentreprise, les Gazelles de Bémao, la directrice des sports de la ville de Bémao, les jeunes comme Motoban, que nous accompagnons, comme Valentino et compagnie. Et d'autres questions ont été posées par les présidentes de Ligue des Femmes. Hein. Aujourd'hui, nous avons l'ancienne présidente du Hand qui siège au comité de la 3F de handball. Nous avons plusieurs femmes maintenant au haut niveau. Donc, mettre en place effectivement cette stimulation pour que les femmes puissent vraiment participer, accompagner les associations sportives. Et... Des tables rondes sur les enjeux du sport, les addictions, les outils procéduraux ou encore la gestion de structures associatives afin de mener à bien les activités sportives et ambitions des prochaines générations.